moi que j'ai oublié de mettre puis que vous pouvez voir chez nous. Ouais, ok, hein! On est pas Noël, tabarnak! 25$! Mon petit break en ce moment, les trilogies, Chris, c'est impossible à trouver nulle part! Quand on en a, vu qu'on est des socialistes, là, nous autres, là. Quand on en a, on préfère les mettre dans les breaks parce que, comme ça, tout le monde, il y a plus de monde qui peuvent en profiter que si les gens en achetaient en magasin. Même si les clients qui viennent en magasin, c'est des excellents clients puis qu'on les aime d'amour. Des fois, on en garde pour nous un petit peu parce qu'on n'a pas le choix de garder des belles trilogies. Donc, une série 1-20-21, donc les Rangers deviennent super intéressants. Une trilogie 19-20 et une Ultimate 19-20. Beau petit break à 25$. Beau petit break à 25$. Là, si vous voyez, c'est marqué ho ho ho. Ho ho ho, là, les paiements. Pour les plus vieux, ils savent c'est quoi. Je suis allé voir la tune de Cinécado, mais Cinécado, finalement. Leur chanson thème me disait rien, même si j'ai tout le temps écouté Ciné Cadeau, comme plein de monde site là. Mais là, on va commencer le giveaway, mais leur chanson thème, personne s'en souvient. Fait que 7 fois, on y va, on va brasser la soupe 7 fois. Et là, s'il y a des gens qui écoutent sur la page en ce moment et qui écoutent pas sur le groupe, ok, qui écoutent sur la page ou sur YouTube, pouvez-vous écrire sur YouTube ou sur la page pour voir si je suis capable de voir vos messages? Parce que tout à l'heure, j'ai pas vu les messages à Marianne. Puis là, il y a 10 personnes qui nous regardent à partir de YouTube ou de la page. Puis je trouverais ça plate qu'ils m'écrivent puis que je les vois pas. Donc, on va brasser la soupe 7 fois. On brasse ça 7 grosses fois. Le chiffre chanceux tout à l'heure avec 7 fois, on a eu un maudit beau break. Donc, j'espère un autre beau break. Samuel Jacob, tu te retrouves avec les Ducks. Yes! Et là, le problème, c'est qu'il manque 2 noms. Oh là 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 là. Il y a juste 29 personnes. Fait que j'ai oublié une commande. Ouais! Je reviens dans 2 fucking secondes. Laissez-moi une minute, allez voir qui manque. Ben oui, de retour, esti. Il manquait une personne. Il manquait Dom Coron et il manquait Charles Trottier, qui était le premier à l'acheter. Charles, c'est sûr à 100% que t'as été le gars le plus quick de l'histoire de tous les temps parce que je l'avais pas sorti encore sur Facebook que tu l'avais déjà acheté ton spot parce que Charles Bélanger, que je connais, m'avait dit hey, j'avais donné le lien. Avant même que je le mette sur Facebook pour le prochain break, quand je suis allé faire le message Facebook, est-ce que lui, t'allais s'en acheter un? Pis toi, tabarnak, t'as acheté avant ça, man.
Est-ce cinglé? Donc, là, on va faire le break 89. Real deal. OK, parce que là, le 89 dans nos stories seront plus bons, visiblement, parce qu'on l'a fait tantôt, puis j'ai vu qu'il y avait 29 personnes. Puis il manquait un spot pour Dom Coron. Donc, 9 fois, on brosse la soupe 9 fois. Je vous aime quand même, même si. Mais là, je vois que ça a écrit sur Facebook, puis sur la page Facebook et sur YouTube. Merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Joyeux Noël à ma mère, Linda Bombardier. Et on continue. Final round. Bon, ben, regardez, c'est Jeff Latreille finalement qui se trouve avec les Ducks, son premier spot. Puis le 25e. Et le 25e, c'est proche d'être New York, mais c'est pas New York. Yes. Pauvre toi. Donc, on y va pour voir. On met ça en gras. Jeff Latreille, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, Dom Coron, je t'ai pas oublié. Je t'ai mis une deuxième fois, inquiète-toi pas. Et là, je vais juste m'assurer que je vois bien. Donc, Anaheim, Jeff Latreille, Arizona, Mathieu Brissette, Marianne Boulanger, les Bruins, hein? Beau petit spot, ça, Mathieu Brissette, là, en deuxième spot, les Sabres. Mathieu Bourdeau, son premier des trois spots. Calgary Flames, Brent Therrien, premier des deux spots. Caroline Brent Therrien qui a profité de ses rabais grâce à qui a gagné soit deuxième chance, soit hier avec les crédits de. Soit matin, Hugo avec. C'était hier, les crédits à Hugo qui se fait. Il était viré en Père Noël. T'as mon dos de me virer en Père Noël, tabarnak. Ok. Donc, on y va, on continue. Alex Miron, premier des deux spots, Chicago Blackhawks. Xavier Desjardins, premier des deux spots, Colorado. Pépé Boulanger, j'avais écrit Bélanger en plus, je suis désolé. Samuel Jacome, Dallas, Wissambo, Détroit, Charles Trottier, Edmonton. Celui que j'allais oublier, il a le gros team, ma petite chanceux. Jess, Lavoie, Villeneuve, Floride. Bruno Vaillancourt, Los Angeles. Dom Coron, Minnesota, son premier des deux spots. Yes sir, mon chum. Mais t'as les Rangers, esti. Tu l'avais prédit en plus. Tu m'avais dit, ça le sent. C'est sûr qu'après avoir une séquence d'avec 8 teams de marde, parce que t'as eu, je pense, la Floride 7 fois, les Ducks 4 fois, puis Nashville une fois, dans tes 8 premières. Puis là, j'en ai nommé 9. T'en ai nommé 14. Mais t'étais tellement malchanceux que t'en as eu 14, esti, sur 9. C'est une joke, désolé, c'est pas drôle. Ok, bon, Mathieu Filion, Canadien, gros team, Alex Vincent, son deuxième team, Nashville, Brent Therrien, son deuxième team, les Devils, on a dit 19-20, puis Jack Hughes est ben important quand t'as dit 19-20. Simon Bédard, les Islanders, Dom Coron, les New Yorkais, Mathieu Bourdeau, son deuxième spot, Ottawa, Yannick Basile, Philadelphie, Pittsburgh, Xavier Desjardins, Cody Grenon, San Jose, Jeff Latreille, son deuxième spot, les Blues. Hey, tantôt les Blues, ça a-tu été payant? Oh mon dieu! Je l'ai laissé la carte là, j'ai laissé la carte pour la shower dans ce show là parce que la carte est trop belle. Si vous savez pas de quoi je parle, vous allez le voir. T'aimes pas belle, Alex Vincent, Mathieu Bourdeau, les Leafs, Éric Leblanc, Vancouver, Vegas, Alex Miron, JP Bourassa, Washington et les Jets de Winnipeg, Charles Bélanger. Donc on avait discuté s'il y a un Team Mousselané Rookie, ça ira pas à toi. Mais Arizona, mais s'il y a une belle carte recrue d'Atlanta, ou peu importe quand il joue à Atlanta, un patch d'Atlanta, n'importe quoi, de Ilya Kovalchuk, ça va à toi, mon chum, parce que Atlanta déménageait avec les Jets. Donc, on y va tout de suite. Et on va copier-coller ça, et on s'en va dans le live scene immédiatement. Et là, vous allez voir la carte et les boîtes. Hein? Les belles boîtes. On va aller dans le défilement, on va la présenter défilement. Donc, il y a des gens qui ont pensé qu'ils ont manqué le Père Noël. Ça se peut que le Père Noël, il revienne tantôt. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, j'ai mis le défilement. Donc, on va commencer avec une série 1 que je vais laisser en dessous. Ensuite, la trilogie 7-5-5, les 7-0-5-5, les derniers numéros. Et 16-23, ensuite. Ensuite, 16-23 en dessous. Donc, on va aller... Je vais tasser ça de mon chemin. Et regardez... La belle carte qu'on a eue tout à l'heure, Sonny Dubé se retrouve avec cette carte-là. Si moi je capote, je la laisse là juste parce que je la trouve belle. Une Chris Pronger All McInnis sur 25 seulement. Regardez comment les signatures sont grosses en plus. Regardez comment leurs signatures sont belles et grosses. Oh my god! Et là, j'ai mis une nouvelle petite toune. J'ai mis la Jingle Bell dans mon petit pad. Puis j'ai aussi mis, écoutez ça. Yes, ceux qui sont amateurs de lutte ont reconnu Joey Styles quand il criait « Oh my God » après un big bump, hein? Le Père Noël va-tu revenir? On n'est pas encore le 25, donc le Père Noël devrait revenir. Oh, 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 là, les paiements. Sauf qu'on risque, après ça,
Après celui-là, les vidéos vont juste être dans le groupe parce que des fois, il faut en mettre sur la page. Mais la page, c'est surtout pour le magasin. Donc, on en fait dans les heures d'ouverture du magasin ou après ça, on les met dans le groupe. Puis même dans les heures du banan, on les met pas tout le temps. Comme tantôt, je les ai pas mis dans le magasin, pas mis sur la page. Mais là, Chris, on va mettre ça, ce beau petit break-là. On va le mettre, ce beau petit break-là de Noël. Donc, 24 décembre au soir. Si vous m'auriez dit l'année passée, l'année prochaine, le 24 décembre au soir, tu vas rester chez vous tout seul. Tu vas breaker des cartes sur Internet pour du monde qui vont payer pour pouvoir que tu ouvres des paquets de cartes et sortir des hits pour eux autres. J'aurais dit, ferme ta fucking gueule. Non, 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 non. Moi, cette année, j'enseigne. Fait que l'année prochaine, c'est sûr, j'enseigne encore. Et regardez, nous voici, nous voilà. Esti. Lâcher l'enseignement. Probablement de façon temporaire, là, je pense pas avoir lâché ça pour toujours, là, mais là, je voulais m'offrir une petite année. Partir de quoi, un petit projet incroyable, mais vrai. On en est rendu là. Anyway, avec le confinement, man, là, tout le monde n'a rien à faire le 24 au soir. Il dit 25. Du 25. Hey, du 25 au. Du 25 au. Au 11, ça va-tu être là, non? Hein? Avec rien d'ouvert, avec la police qui check tout le monde à l'heure. Puis là, ils essaient de nous faire croire que c'est des barrages d'alcool. Ben hâte de voir si les barrages d'alcool ils vont être faits à 1h du matin ou s'ils vont être faits à 3h de l'après-midi. Hein, parce que les barrages d'alcool, on s'entend que c'était tout le temps à partir de 11h le soir jusqu'à 4-5h le matin. Hein? Puis après ça, ils disent non, 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 là, on vous jure que c'est pour c'est pas pour le COVID. Tu sais, c'est correct, là. C'est correct. Je m'en fous, là. C'est correct, ça fait partie de la loi en ce moment. Là. Mais pouvez-vous pas nous prendre pour des caves, s'il vous plaît? Hein? Prenez-nous pas pour des caves. Dites-nous-les, là, vous faites des barrages pour le COVID. Là. Allez, à Mathieu Lausière! JS, posé, m'en vais à Saint-Eux, Fred m'a dit si je croise de quoi, pas surpris. Ben, c'est sûr à 100% que tu vas croiser des policiers. C'est sûr à 100%! Mais ils font leur job, mais juste nous le dire que vous allez être là pour le COVID et non pour l'alcool. C'est prendre le monde pour des câbles. Donc une petite predominant Carter Hart pour les Flyers de Philadelphie. Le premier hit qui s'en va à Philadelphie. Et Philadelphie qui est un de mes teams préférés. Je le répète souvent, mais quand t'es un breaker, tu répètes souvent les mêmes affaires. Yannick Belzil, tu te retrouves avec une belle carte de Carter Hart. Le futur Carey Price de la Ligue. Le futur Carey Price, sans aucun doute, de la Ligue. Ça, je vais tasser ça ici. Et on continue, on est à recherche de qui? On est à recherche de... It's up to you! Hein? On est à recherche de qui? On est à recherche de New York et la petite Lafrenière. Et là, ça fait beaucoup de cartes que je passe. Je vais vérifier, je vais présenter la Dazzler, je vais vérifier là en dessous. Oh, nice one, une Dazzler de... Rien de moins qu'une Dazzler de Austin Matthews pour Toronto. Les Canadiens qui vont commencer avec en affrontant les Leafs de Toronto la saison qui s'en vient. Et Mathieu Bourdeau, ça c'est ton troisième spot. Et en plus, on les affronte trois fois pour finir la saison. Et là, je vais revérifier toutes les cartes que je viens de passer. Et ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de variante, il n'y a pas de personne en tuxedo. OK. Donc, désolé pour ça. On recommence. It's up to you, New York. New York. J'ai jamais passé autant de base. Et là, on va avoir une petite Austin Matthews encore. Hey, le moustachu Austin Matthews. Austin fucking Matthews. Un produit des États-Unis. Tout droit venu de l'Arizona. Donc ça là, c'est sûr que c'est un des joueurs favoris de notre bon commissaire Batman. Parce que lui, il travaillait très fort pour qu'il continue à avoir du hockey dans le sud des États-Unis, même si ça marche pas. Puis ça a développé. Sans ça, pour vrai, c'est sûr qu'Austin Matthews n'existe pas. Là. Fait que c'est sûr que lui est vraiment content de Matthews. Ça doit être un de ses joueurs préférés à cause de ça. Ça lui donne raison. Une newly canvas Colton Parayko pour les Blues de Saint-Louis. Jeff Latreille. Ça dans un sleeve. À toi, j'ai tout le temps. Je prends mon temps. Je vais tous les sleever ou presque. Là. Parce que pour aller plus vite, généralement, on va pas les sleever. On va les placer dans leur
petit compartiment. Puis après ça, on prend notre temps, puis on les sleeve bien comme faut. Mais là, goût de prendre mon temps à soir. 24 décembre. 24 décembre. Donc là, il manque. On est toujours à la recherche de 6 Young Guns. 6 petites Young Guns. Ah ouais, un petit hit des Kings, mon premier break à vie. Hey Bruno, là je t'aurais dit normalement, hey check bien ça, les Kings, ça se pourrait, on sait pas, peut-être dans Ultimate là, on pourrait avoir ça, là, mais les Kings, une chronologie, là, tu pourrais avoir une belle Wayne Gretzky dans une chronologie, ça c'est sûr. M'en souviens avoir été surpris quand j'ai appris qu'il venait de l'Arizona. Ouais, ouais, Austin Matthews qui vient, si, sauf que, oh, premier Young Gun, Ryan McLeod pour les Oilers de Edmonton. Et félicitations, bienvenue Bruno en passant dans le break. Premier break à vie, je te souhaite un beau petit hit. Edmonton, Charles Trottier. Chris qui se retrouve avec la Young Gun qui était même pas au début. Il était même pas au début dans le random parce que j'avais oublié de rentrer son nom. Fini le random, me rendre compte qu'on est 9. On est 29 au lieu de 31 spots. What the fuck? Et là, on va faire ça demain. Et là, on a une petite ici et c'est sûr. Fait que bienvenue dans la famille et ouais, l'Arizona, à quel point il faut que tu viennes d'une famille de riches, man, pour vivre dans le sud des États-Unis puis avoir de la glace assez pour que tu te développes comme étant un des joueurs élites de la ligue. Sûr qu'il vient pas d'une famille pauvre. Patrick Kane avec Chicago, comme vous voyez, celle-là, peut-être que je la suivrai pas pour aller plus vite parce que c'est une Yodi Portrait. Chicago, Alex Miron, puis connaissant Alex, je pense qu'il s'en calisse. Et en passant, Alex, si t'écoutes, j'ai reçu ta belle carte que t'as échangé contre les cartes de football à Dominique. La belle Austin Matthews, justement, clear cut. Elle va arriver par la poste avant que tu viennes chercher tes cartes encore. Tu me diras, Alex, si tu préfères venir les chercher à chaque fois. Là, nous, on va te mettre de côté, puis tu viendras chercher une fois ou deux semaines. Mettons, ça te tente. Parce que toi, c'est pas une enveloppe qu'on t'envoie, c'est une boîte. Parce que t'en as tellement que... Chris, à chaque fois que tu fais un break, tu vas te popper. À chaque fois que tu fais un hit... Hey, puis juste pour ton ami là, qui écoute là, puis qui disait l'autre jour là, que il était plus capable là, de l'expression à notre chummy, Hugo, je vais le dire. Check la patch! Tu veux la patch? Mais bon, on enlève pas les marques de commerce à Hugo, esti. Moi, mon marque de commerce, c'est écrit. Ben non! Ben non! C'est ça que je crie. Une petite Jack Hughes ici, New Jersey, Brian Therrien, une rookie rétrospective. Donc, pas une super saison à sa première saison. Finit 18e dans les buts, 16e dans les points. Donc, pour une recrue, un choix d'overall, première ronde. Ça me fait un peu penser à Nico Hischier en 17-18. Hein? Donc, j'espère que la 19-20 va se révéler. Mais non, dans le fond, on va se révéler mieux que 17-18. 17-18, là, l'enfant pauvre des années pour les rookies. Sébastien Aho, Yuli Portrait pour la Caroline. Mais l'année passée, il y avait Jack Hughes, mais on avait surtout Cal Makar, Quinn Hughes, Suzuki. Fait que popé pantoute, là. On continue. On va avoir une Young Gun, ça va être notre deuxième, et on a une Philippe Broberg, hein, esti. Monsieur Trottier qui se retrouve avec les deux premières Young Gun de la gang, félicitations. Donc, deuxième Young Gun. Esti. Dom Coron qui dit chacun aux façons, ben non, c'est sûr, je sais que... On se complète bien, moi pis Hugo. Lui c'est comme genre le gars là, vraiment là, positif un peu, genre t'sais. Cool guy, yeah. Pis là moi je suis comme genre le gars négatif rabat-joie. Capitaine rabat-joie, c'est moi! Base. Oh, variante ici des Whalers. Mais là c'est les Hurricanes ça. Variante en français, s'il vous plaît, pour Dougie Hamilton. Hamilton était en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière quand il a subi une blessure au cours de la saison 19-20. Il a démarré la saison avec une paire de passes dans le gain de 4-3 sur la Caroline. Wow, une belle petite description ici. Donc, Hurricane, la Caroline. Brian Terry. Petite checklist ici.
Oh, Young Gun, la troisième de P.O. Joseph. Yann Caron qui a acheté une clear cut de P.O. Joseph et qui espère la faire signer quand il va le voir. Il espère la faire signer quand il va le voir. P.O. Joseph, les Pingouins de Pittsburgh. Xavier Desjardins. It's up to you, New York, New York. Hier, on a eu une belle, go, nice, une petite canvas. En parlant de canvas, hier, on a eu une petite canvas de Monsieur Lafrenière. Wow. La canvas de Lafrenière est vraiment belle parce qu'on voit pas en arrière. On voit pas en arrière à quel point c'est vide. C'est comme plus un, c'est un plus gros zoom. Fait que là, ça paraît pas que dans une petite aréna à Blainville, à jouer tout seul, à prendre des photos pour Upper Deck. Bon, Bruno, c'est tranquille pour les Kings jusqu'à présent. J'avoue que c'est tranquille pour toi. Oh, je te souhaite des petits hits, là, pour ton premier break. Mais quand même, un petit break à 25$, même quand on hit à rien. Si on a eu du plaisir, si ça vaut la peine. Un petit 40 minutes passé avec Fred Bombardier, ça vaut de l'or, ça, là. Donc, dites-vous que Chris, allez voir un film maintenant au cinéma, coûte 14$, puis ça te coûte 15$ de popcorn. Fait que. Aussi bête de pogner une petite bière, puis un petit sac de chips à maison. Écoutez un petit gars qui fait le clown avec un. Oh, Young Gun, des Rangers, Alexis Lafrenière! Oh my god! Pourquoi pas un petit. Et pourquoi pas un petit. Ta ta ta! My time is now! Ton time is now! Joyeux Noël, mon cousin! Asti! Après avoir dépensé 4 millions de dollars, t'as finalement retrouvé la carte que tu voulais, Asti! Hein? Big up! Ça a pris du temps, mais tu l'as eu, mon ami. Incroyable, mais vrai! Incroyable, mais vrai! Savage Break, là! On l'aime bien, Alexis. On espère. Oh, nice one! Anthony Manta, un autre Québécois pour les Détroit Red Wings. Les Detroit Red Wings. Wissam Beau. On aimerait tellement ça qu'il accepte notre invitation après la saison de venir rester à la boutique. Out of nowhere. On l'annonce pas parce que ça serait trop de monde. Et là, paf, si. On fait un live, il est là en train de signer des petites affaires. Puis on vous dit, hey! J'ai un gars de Saint-Eustache, moi, j'ai des contacts. J'ai un gars de Saint-Eustache, moi, j'ai des contacts. On aimerait bien ça. Bass, 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 bass. Base. Yuri Canvas, Andrei Zvezdnikov pour la Caroline et Brian Le Terrien. Ben oui, yes sir. Belle petite carte, belle petite Rangers. Young Gun. De l'allié gauche. Puis en plus, un allié gauche, c'est tellement dur à avoir dans la Ligue nationale. Un bon allié gauche, il n'y en a pas beaucoup. Wow! Et là, il nous manquerait toujours, excusez pour la caméra, c'est parce que je la place. Là, j'essaie de la placer plus en angle chez nous pour pouvoir exposer plus les cartes. Puis, on serait à notre quatrième Young Gun, il nous en manquerait deux. Hein? Là, je souhaite des Young Guns. Une jeune loup, là, une petite jeune loup qui sort par rapport avec une petite clear cut ou une petite canvas, là. Ça nous permettrait d'avoir sept Young Guns. Incroyable mais vrai! Incroyable mais vrai! Donc, joyeux Noël, joyeux Noël! Rookie Retrospective, nice gold!
Gold pour Ilya Samsonov pour les Capitals de Washington. Ça, c'est une belle carte. Notre jersey de Monsieur Samsonov. JP Bourassa. Super belle carte. La gold, un peu thick. Nice one. Avec Ilya Samsonov, la gold one. Super belle carte, ça. Ben oui. On va la mettre ici. Pour quand on va faire. Le petit recap tantôt. Debut date de Adam Fox. Lui aussi, c'est une bonne. Lui, même s'il n'est plus une recrue, là, ça y est, sa carte recrue l'année passée ou sa Young Gun. Adam Fox, c'est probablement un défenseur plus sous-estimé l'année passée. On parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de Quinn Hughes puis de Cale Makar, mais Adam Fox, là, ouh, je serais pas surpris de connaître une plus longue carrière que les deux qu'on vient de nommer. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Je pense qu'on a une petite canvas Young Gun. Oh, une petite Oliver Ekman-Narsson pour les Coyotes de l'Arizona, Mathieu Brissette. Incroyable, incroyable, là. Je suis excité, là, c'est une petite Lafrenière de même, là, pour commencer. Poup, poup, poup. Noël, c'est super. J'aurais pas dû t'acheter de cadeau, Dom. Avoir su que t'allais gagner ça. Je t'aurais pas acheté un cadeau. Hein. Oh, 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 là, les paiements! Donc, on salue Monsieur Lorrain. Si Monsieur Lorrain est là, lui, là, la première fois qu'il a ouvert une boîte avec nous autres, on l'a ouvert live. Il y a eu une Lafrenière puis une Canvas Lafrenière. Les deux dans la même boîte. Il est venu en magasin hier. Je sais pas s'il nous regarde encore. Mais oh, Islanders, Kiefer Bellows play Islanders de New York. Simon Bédard, premier hit. C'est Kiefer Bellows. Donc, lui, sa valeur a diminué un peu dernièrement. Mais moi, je pense que ça va être un régulier dans la Ligue nationale, sans aucun doute. Peut-être pas sur un attaquant de premier plan, mais il va avoir sa place. Je vous le dis, là. C'est l'année passée, quand même, 3 points en 8 games, sa première saison. Donc, je vais arrêter d'accrocher ça un moment donné, hein, je pense. Base. Checklist ici. Checklist. Et en dessous, on n'a rien. Tyler Benson pour les Oilers d'Edmonton. Yuri Parkett, rookie. Marianne qui voulait une patch pour Noël. J'espère que dans la Ultimate, dans la trilogie, c'est toi qui vas avoir une patch. Et là, Wild Evgeny Malkin. On s'en va porter ça en Russie pour le gros Gino. Gino, là, qui me demande s'il y a une belle relation avec Alex Ovechkin. Ben, je suis persuadé que Malkin, il pense qu'il est meilleur qu'Ovechkin. Ovechkin doit penser qu'il est meilleur que Malkin. T'es le meilleur joueur russe, là. C'est sûr qu'il doit avoir une rivalité entre les deux. Il nous reste trois paquets seulement à ouvrir. C'est le fist à Brian, ouais. Simon Bédard, c'est le fist. C'est le fist à Brian Bellows, l'ancien capitaine du Canadien de Montréal. J'ai de vagues souvenirs. J'ai de vagues souvenirs de Brian Bellows quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il a gagné la Coupe Stanley en tant que capitaine. C'est-tu lui ou Kirk Muller qui était capitaine à ce moment-là du Canadien en 93? J'ai vraiment de vagues souvenirs. Sébastien Aho, Predominant ici. Predominant. Et là, ça, je vais te mettre ça dans un sleeve tout de suite. J'étais parti sur une lancée de mettre les affaires dans un sleeve. Fait que ça me permet de sauver du temps tantôt. Quand je prends. Pour les Kings et Monsieur Brian Therrien. Mais là, il nous manquerait toujours une Young Gun, j'ai l'impression. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il nous en manquerait une seulement, là. Patch Ready, Vegas. Donc, on peut oublier la Clear Cut ou la Jeune Loup, parce qu'il l'aurait mis sinon. On peut juste avoir une checklist de Lafrenière encore, peut-être. Mais en même temps, je souhaite une petite Krebs. Je souhaite une petite ULAV. Je souhaite une Barham. À Phoenix, ceux qui ont Barham, là, ou ceux qui ont.
Non, Byron, c'est à Colorado, mais ceux qui ont le suédois avec Phoenix, là, Young Gun, là, Söderström, là. Donc, on continue. Et la dernière Young Gun. La dernière Young Gun. Martin Cote de l'Avalanche du Colorado. C'est sûr que si on a l'Avalanche, on aurait aimé ça avoir Byron. Mais, on ne peut pas tout avoir. Donc, on va avoir une petite Martin Cote. Martin Cote. Moi, je continue. Je persiste à dire que j'aime bien. La série 1 de cette année, je l'aime bien. Il y a des joueurs là-dedans que j'aime. Puis qu'est-ce qui est le fun quand on ouvre une série 1 qui, de l'année actuelle, c'est qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils vont donner. Fait que tous les gars, c'est le fun à avoir parce que tu espères. Oh my god, une Söderström, jeune loup, je pense qu'on en a sorti une. C'est ça, celle-là qu'on a sorti il y a pas longtemps. Hein. Söderström, jeune loup, là. Ouh! Ça vaut cher. Ça vaut cher. Mais moi, j'attendrai après le championnat du junior parce que là, il joue pour les Suédois. Puis il est à surveiller, là. Donc, c'est ce qui met fin à la série 1. Hey, nice one, une petite Lafrenière. Et là, on va y aller avec la trilogie 70-55 de tout à l'heure. Et on ouvre ça tout de suite. Une jeune loup encore. Brian, c'est toi qui as. La jeune loup de Söderström qu'on avait tiré. Ben, pas qu'on avait tiré, mais qu'on avait eu, c'est ça? Ok. Brian doit en avoir une aussi. Je comprends bien. Ça là, ça me gosse un petit peu là, des lives. C'est que je vois pas. Ce que vous m'entendez dire, vous l'entendez comme 7 secondes après que je l'ai dit. Fait que des fois, autant que vous devez pas comprendre de quoi je parle parce que genre, je réponds à des questions 7 secondes en retard. Puis autant que. On peut pas vraiment avoir une discussion entre nous autres. Si vous nous dites, si je sais pas de quoi vous parlez, vous parlez de quoi? Des fois, j'oublie ce que je disais il y a 7 secondes avant. Donc, on y va avec la première. Et Chris, on commence déjà? Non. Okay. Je pensais qu'on commençait avec une patch encore, comme tantôt. Et là, on a une petite Zach Senyshyn pour Boston. Donc, Boston, Marianne Bélanger. Boston, là, qui peut être vraiment payant dans une. Dans une trilogie comme ça, là. Là, on va passer tout de suite en dessous avant que je la sleeve à la prochaine. Qui est une Oliver Malmstrom pour les Islanders de New York. Simon Bédard avec une petite signature déjà. Seulement sur 199. Une Rookie Premier Level 2 auto. Nice one. La 122e print seulement. Wow. Wow. Ça, je vais te mettre ça dans le top order si tu veux, Simon. Donc. Nice, donc c'est ça. Brian et Marianne qui ont les jeunes loups de Söderström. Gardez-la pour vrai parce que moi je pense que c'est une carte. Tu sais, mettons, même si Ekman Larsson en ce moment vaut moins, il a déjà été considéré comme un des meilleurs défenseurs de la ligue ou meilleur prospect. Puis je pense que Söderström pourrait se rendre jusqu'à là. Donc sa valeur va juste augmenter dans les années à suivre. Est-ce qu'elle va redescendre après? Peut-être s'il ne performe pas, mais je vous le dis, c'est sûr qu'elle va monter. Nice one, petite signature ici de Wallstrom. Même si tu dépasses pas nécessairement les deux autres, ça fait pas partie de ce break-là. Donc je vais te placer devant les deux légendes de la défensive de Saint-Louis. Et on y va. Base, base. Et en dessous, oh, un petit Philip Myers, The Rookie Rendition pour les dangereux. Toujours. Même quand ils finissaient dernier, là, je trouvais tout le temps que les Flyers avaient une équipe compétitive et dangereuse. Et en dessous, on va nice one. En dessous, on a une petite Jack Hughes, The Rookie Rendition numérotée. Donc, je vais juste placer celle-là et je vais vous présenter la belle Jack Hughes. Numérotée sur 799, la 428e print au total pour le New Jersey, Brian Therrien. Nice one. Donc. En espérant qu'ils deviennent plus comme, comme un Steven Stamkos qu'un Nolan Patrick. Dans le sens où sa première année, il n'a pas tout cassé, là, Stamkos. Je me souviens même que son entraîneur ne l'aimait pas. Là. Mais on sait qu'est-ce qui est devenu, hein? Puis on sait qu'est-ce qui est devenu Nolan Patrick. Parce que Nolan Patrick, c'est Jack Hughes, c'est pas un gros bonhomme, hein? Fait. C'est pas un gros bonhomme, fait qu'il est toujours, on dirait, à.
Il pourrait être toujours à une blessure là, d'avoir sa carrière. Un peu comme Jack Hughes. Et en dessous, on a une petite Ilya Mikheyev. Et en dessous, on a Nice, une Victor Olofsson. Et là, je vais juste les placer pour pouvoir les sliver. Une Victor Olofsson numérotée sur 799 en dessous. Donc là, à date, on a beaucoup, je trouve, de numérotés. On a eu notre auto, il nous manquerait le jersey. Je sens qu'on a une autre signature. Je sens qu'on a une autre signature. Les trilogies de ces temps-ci sont en feu. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une autre signature. Matthew Barzal. Donc, on est rendu à la moitié du paquet. Il manque trois paquets encore pour la trilogie. Avec la petite Wayne tout dessus. Oh, donc ici, je peux avoir un autre jersey, ça c'est sûr. Teuvo Teräväinen base. On a une Ryan Lindgren sur le dessus. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a deux cartes. On a une tick. On a un loafer. Je vais enlever. Et là, on a une tick. Et celle-là, je vais la placer ici. Je pense que ça va être Vegas. Vegas, Jimmy Schultz, jersey pour Vegas. Je pense que c'est le premier hit pour Vegas. Alex Miron, premier hit ce soir pour toi. Nice one. Petit jersey, Jimmy Schultz. Sont tellement belles les trilogies, là, pour vrai. Dans toutes les cartes, je considère que c'est eux qui ont le meilleur design des cartes. C'est ceux qui se rapprochent le plus des cartes régulières, mettons. Mettons les. Celle-là ici, là. Regardez, c'est une carte mince, mais le design est beau, la signature est bien placée. Selon moi, c'est. Mais là, regarde, Jimmy Schultz, tu vois, non, on va te placer. Jimmy Schultz, malheureusement, là, la signature, elle vaut plus. Elle est plus belle. Puis, on va te mettre ça dans un sleeve. Donc, souvent, GF, ça, c'est parce que t'es chanceux, pour de vrai. Souvent, là, je te dirais une boîte sur quatre, peut-être, à deux signatures, là, mais peut-être même sur six. Là. Parce que. Ouais, les cartes illusions, même au foot, sont insane, les illusions. Marianne. Alexandre Tessier. Alexandre Tessier. Et là, en dessous, est-ce qu'on a quelque chose? On a le loafer. Là, moi, j'ai pensé de quoi à proposer à notre ami Hugo. Tu sais, la boîte là qu'on a en ce moment, là, Monumental, avec 5 items dedans et que la boîte a coûté 2000$, là. Mais moi, je pensais peut-être faire ça le 31 décembre. Parce que lui, c'est la famille. Il habite tout seul, j'habite tout seul. Puis c'est la famille que j'aurais choisi. Oh, nice one, Alexander. Elvis Merzlikin pour Columbus. Puis on ouvrait peut-être ça. Moi, je proposais de l'ouvrir la veille du jour de l'an. Moi, je trouverais ça le fun. La veille du jour de l'an, vu qu'on n'a pas le droit de y voir personne. Donc, Columbus, Pépé Boulanger, qu'on remercie, un habitué de la place. Toujours un plaisir d'avoir ton nom quand je fais des breaks. J'aime ça. Pépé Boulanger. Et Leon Recital Base. Donc, ce serait un petit 31 décembre au soir avec une ouverture. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'avec Copper Deck, est-ce que c'est une. Ah, oh, c'est pas de patch. Malheureusement, il n'y a pas de patch, Marianne. Pas encore. Peut-être dans l'Ultimate. Une petite Vitaly Ablamov pour les sénateurs d'Ottawa. Donc, GF, c'est sûr qu'on va faire un Raz. Quand on va la déballer, c'est sûr à 100% qu'on va faire un Raz des items qu'on a. On va faire des Raz tranquillement, pas vite. Mais c'est parce que c'est quand même une boîte à 2000$. Puis, Raz et ça, c'est beaucoup d'argent. Puis, c'est ça. Donc, on n'est pas sûr. On ne pense pas qu'on va la raser, là. Parce qu'on pense pas qu'il y a des gars qui vont être game de mettre 100$ dans un Raz. Là. Et parce que ça vaut cher. Donc, ensuite, une Philip Meyer. Level 2, Rookie première sur 499. Ça, c'est une belle carte, ça. Philadelphie, là. Ça, c'est un beau hit. Philadelphie, Yannick Belzile. Ça. Une rookie première numérotée sur 499. Si jamais Philip Myers se développe comme il devrait se développer, ça va être une super belle carte, ça. Donc, je vais même t'en mettre tout de suite dans un top load. Donc, Philip Myers, gros défenseur, 6 pieds 5. Je pense 6 pieds 5, 210 livres. 1997, l'année passée, 2 points seulement avec les Flyers, mais c'est un gros gars physique, là. Donc, et Vitaly Abramov, on va le mettre. On va le mettre. On va le mettre dans une sleeve. Hey, c'est chaud, une tuque, hein, de même de Dollarama hein, que j'ai acheté il y a 2 ans. Et là, on est rendu à la Ultimate et la dernière boîte pour ce break-là. La 19-20. Après ça, je vous prépare un autre petit break que je vais sortir en ligne. Peut-être que je vais y aller à coup de break en bas de 30$ là, ce soir pour vu que c'est Noël là. Puis essayer d'arranger
Parce que c'est un vrai casse-tête quand on fait des breaks, à savoir comment, quelle boîte qu'on met, non, ok, non, ça va coûter trop cher, le monde ils seront pas dedans, ça va coûter trop cher. Parce que nos ultimates, là, on les a payés à gros, gros prix pour les avoir. Donc, ok, donc. Là, le paquet s'est mal ouvert. On va l'ouvrir de l'autre bord alors. Ok, donc là il est ouvert et correct de ce bord-là. On va juste m'assurer de l'ouvrir du bon côté. Ça va aller comme ça. Donc il reste seulement 4 cartes. Je pense qu'on n'a pas une assez grosse carte là-dedans, Marianne, pour dire qu'on a une patch. Donc c'est 4 cartes. Il n'y a pas de patch, c'est sûr, à 100%, Marianne. Sauf que ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une grosse carte. Parce que ce qui vaut cher, c'est les signatures et les numéros de base signatures. C'est sûr qu'une auto-patch, c'est encore plus. Mais là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de patch. Donc, on va essayer de viser. On va viser les belles patchs. Et là, ça ici, je vais les placer ici tout de suite. Ça, je vais placer là, ça là. Et on va commencer tout de suite avec la première carte de la Ultimate. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite Riley Stillman pour la Floride. JS Lavoie Villeneuve. JS, si t'es capable de juste dire. Si t'es capable de juste dire allô, parce qu'on a deux Jean-Sébastien Villeneuve dans le groupe, fait que je te tague pas à cause de ça. Puis juste m'indiquer, monsieur Lavoie Villeneuve, c'est lequel entre les deux. Donc une petite Riley Stillman. Donc ouais, Marianne, je te souhaite d'avoir une belle carte là, avant ta paye. Donc Riley Stillman, Floride. Mais toi, tu peux pas en apprendre de personne ici. J'ai l'impression. On va aller en dessous. On va aller en dessous. Donc, on a une petite rookie jersey. Hey là, monsieur. Monsieur Myers qui revient. Encore lui. Il a maintenant la rookie jersey ultimate sur 399. T'as la 360e print. Les Flyers. Donc, là, on est mieux d'avoir des grosses cartes. Là, j'espère avoir des grosses cartes. Let's go, let's go. Et qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais juste prendre la première carte qui est en haut. Et qu'est-ce qu'on a? On a une petite signature sur 229 pour Brian Therrien. Brian, petite signature de Brandon Gignac. Le franco-ontarien, hein? Non, Chris. Non, non, Québécois. Repentigny. Donc, nice one, petite signature. La 290e print. Donc, hein? Pour ses proches de pas être print. Mais en fait, ils sont toutes sur... Il n'y a pas de carte comme ça, base. Fait que ils sont toutes numérotées. Là. Fait que il y en a juste 299 exemplaires. Ça, quand tu prends le temps de réfléchir à ça, c'est fou. Tu sais, 299, là, c'est pas beaucoup quand tu y penses, dans le fond. Là. 299 exemplaires seulement. Avec tous les paquets de cartes qu'on ouvre. Super belle carte. Ok, il nous reste seulement une carte, là. Let's go, là. Pour le show. Pour le show. Elle va s'ouvrir comme ça. Pour le spectacle. Let's go. On a une petite. Oh! Toronto! Qui que Toronto? Mathieu Bourdeau qui se retrouve avec une signature de Austin Matthews! Oh my god! Ben oui! Belle signature ici! Signature de Austin fucking Matthews! Ultimate signature, le numéro 34. L'assistant au capitaine, Monsieur Matthews! Un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en ce moment. Peut-être le meilleur franc-tireur. Là, on peut s'assigner longtemps. Mais j'ai Austin Matthews dans mon cœur ainsi que Batman dans son cœur. Mais oui, c'est ce qui met fin au break. C'est avec une belle petite signature. Au début, je pensais que c'était une carte de Vasilevski. Puis j'étais comme, c'est une autre Vasilevski. Mais quand même, belle carte ici, Austin Matthews. Donc, si on fait le recap de ce qu'on a eu depuis le début de la soirée de ce break-là. Du break de oh wow là les paiements. On a commencé avec des Young Guns, Martin Cote, Poppy, Kiefer Bellows, yeah. P.O. Joseph, Philippe Roberg, Ryan McLeod. On avait une petite Rookie Retrospective Gold, hein, avec le jersey de Ilya Samsonov pour JP Bourassa. Super belle carte, hein. Ensuite, on a même eu une petite Anthony Manta UD Game jersey, ok? Après, on était en trilogie. On a eu des belles petites affaires dans la trilogie. On a eu une Jack Hughes numérotée. On a bien ça, premier choix overall, une level 2 rookie première sur 499, 21e print seulement, Philip Myers, une Jimmy Schulte jersey rookie rendition. On est allé après ça avec la grosse boîte, on a eu une petite Riley Stillman pour la Floride,
Philip Myers, encore une fois le même, mais là avec le Ultimate Jersey sur 389. Après ça, on est allé, ça n'a pas rapport avec ce break là. On a eu une petite Oliver Malmström Level 2 autographiée sur 199 seulement, gros joueur en plus, belle carte. Brandon Gignac Ultimate Rookie autographe sur 299 pour les Devils. Et notre ami du New Jersey, Brian Therrien. On a eu une grosse Austin Matthews, pas numéroté, mais autographié, Ultimate Collection, Toronto, Mathieu Bourgeois, gros hit. Et on termine avec nul autre que Alexis Lafrenière pour Dame Caron. Sur ce, je fais une belle... Ben, à tantôt, c'est sûr que j'en fais un autre, on est là. C'est juste ça à faire. À tantôt, les...